fait, vraiment, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout mis. Je ne sais pas quoi faire pour que mes cheveux poussent, pour que mes cheveux soient ceci, soient cela. Ma chérie, tu mens. Le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De retour avec une nouvelle vidéo pour te présenter des astuces pour avoir des cheveux beaux, sains et longs. Première des choses, tu ne peux pas vouloir avoir les beaux cheveux et ne même pas avoir une routine capillaire. Déjà, une routine capillaire, c'est quoi? Quand on dit routine, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement au quotidien. Capillaire, routine capillaire, quelque chose que tu fais régulièrement pour tes cheveux. Essaie de te créer une routine capillaire qui est adaptée à tes cheveux, à toi. N'essaye pas de copier ma routine ou la routine d'une autre personne. Les vidéos YouTube ou alors les contenus que je partage avec toi, c'est pour te guider, pour que tu puisses comprendre certaines choses. Mais à toi de faire des choses, d'acheter des produits, de créer des routines qui sont adaptées à tes cheveux. Déjà, la base, c'est quoi? Pour prendre soin de tes cheveux, première des choses, tu dois avoir un shampoing, de préférence un shampoing sans sulfate. Tu dois avoir un démêlant. Tu dois avoir une crème hydratante à base d'eau. Et tu dois avoir une huile végétale pour hydrater tes cheveux. Voilà déjà un début pour te créer une routine petit à petit. Il faut être constante avec tes soins. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir des cheveux longs, des cheveux volumineux, des cheveux sains. Je ne sais pas trop ce que tu recherches sur tes cheveux. Et tu n'es pas constante avec tes soins. Ne viens pas aujourd'hui, tu laves tes cheveux. Après, tu pars, tu laves tes cheveux après un mois, après 2 mois. Et tu es surprise de n'avoir pas les cheveux que tu veux. Arrêtons de nous mentir. Toute chose, c'est l'effort qu'on y met. Peu importe ce que tu veux faire, même si ça concerne n'importe quoi dans ta vie, si tu ne t'engages pas, si tu ne mets pas le travail qu'il y a fait derrière, tu n'atteindras pas tes objectifs. Donc, être discipliné, vraiment respecter sa routine, faire ce qu'il faut régulièrement. Et après, maintenant, tu pourras te plaindre si ça ne marche pas et chercher à trouver le problème, je ne sais pas, la cause sur autre chose. Pas que tu restes, tu te plains, oh mes cheveux ne font pas ceci, pourtant toi-même tu ne fais rien. Commence à être discipliné et à faire ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs capillaires. Savoir lire l'inti. L'inti c'est quoi? L'inti c'est la liste des ingrédients. Tu ne te lèves pas et tu pars acheter un produit comme ça au hasard et tu viens, tu mets sur tes cheveux. Parce que une des choses qui fait en sorte que nos cheveux ne soient pas beaux comme on veut, ne soient pas sains et longs, c'est les produits qu'on utilise. Oui, les produits. Tous les produits qu'on vend au marché, au magasin ou je ne sais pas où ne sont pas forcément bons. Il faut apprendre à lire l'étiquette. Il faut analyser chaque ingrédient de telle sorte que quand tu pars au supermarché pour prendre un produit, un shampoing, un masque ou peu importe, tu le prennes vraiment de façon responsable et consciente. C'est-à-dire que en achetant ce produit, tu sais à quoi t'attendre comme résultat sur tes cheveux. Il y a beaucoup de produits là qui contiennent des agents vraiment des ingrédients vraiment nocifs, parabènes, silicone, des colorants, phénocétanol, qui sont des produits qui sont dangereux pour les cheveux. Je ferai une autre vidéo vraiment en profondeur pour parler de tout ce qui est ingrédients de produits, ce que c'est que le bio et tout, pour que vous puissiez bien comprendre, parce que je pense que c'est un sujet très important. J'ai fait une vidéo auparavant, c'est sur ma chaîne, pour te montrer comment choisir tes produits. Je vais mettre cette vidéo ici. Elle est très importante. Va voir cette vidéo et tu comprendras beaucoup de choses. Évitez au maximum de trop manipuler ses cheveux. Ça, c'est très important. Le cheveu crépus de tous les cheveux qui existent sur la terre, c'est le cheveu le plus fragile et le plus délicat, mais en même temps le plus versatile. Je sais que c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. On peut faire avec les cheveux crépus vraiment des choses que des femmes d'autres continents ne peuvent pas faire, mais nos cheveux en même temps, malheureusement, sont très fragiles. Donc, tu ne peux pas être là, tu vois n'importe quelle coiffure, Rihanna a fait une coiffure, tu veux essayer, Beyoncé fait une coiffure, tu veux essayer, je sais pas moi, Nicki Minaj fait les nattes comme ça, tu peux pas essayer aussi. Non, moi je veux les cheveux longs et j'évite au maximum de manipuler mes cheveux. Moi généralement je fais des coiffures vraiment très simples. Par exemple, ce que j'ai sur la tête, c'est 2 chignons que j'ai fait. Ceci est lâché et ça c'est un petit pompon que j'ai fait devant. Voilà le genre de coiffure que je fais au quotidien. Ces coiffures sont les meilleures pour nos cheveux parce que tu n'es pas trop en train de toucher tes fibres. Plus tu touches tes fibres, plus tu fais des raies dans tes cheveux pour avoir des nattes parfaites, plus tes cheveux vont se casser. L'eau
est le premier nutriment dont les cheveux ont besoin. Essaye de boire l'eau autant que tu peux. 1,5 litre d'eau par jour, c'est déjà très bien. Pourquoi? Parce que avant d'appliquer quoi que ce soit de l'extérieur, quoi que ce soit sur nos cheveux, tout commence d'abord de l'intérieur. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut boire beaucoup l'eau. Parce que quand tu bois l'eau, les cellules sont nourries, la circulation sanguine est au top. Tout fonctionne bien dans ton organisme et par conséquent, tes cheveux aussi poussent bien. Tu ne peux pas rester, tu n'es même pas capable de finir un verre d'eau et tu vas avoir les cheveux qui sont beaux. Non, l'hydratation, ce n'est pas seulement la crème que tu vas utiliser. L'eau que tu bois a un grand impact sur la beauté de tes cheveux. Couper tes pointes régulièrement. Oui, pourquoi? Parce que si tu ne coupes pas tes pointes régulièrement, les cheveux vont se couper plus. Quand tu sens que tu as des pointes fourchues, que tu as des longues tiges de cheveux qui s'éloignent de plus en plus de la touffe, il faut les couper. C'est très important parce que quand tu les coupes, ça fait en sorte que tes cheveux se cassent moins. Celles qui ont peur, soi-disant, quand elles vont couper leurs pointes, ça va faire leurs cheveux seront courts. Tout ça ne veut rien dire. Tout dépend déjà de la longueur à laquelle tu coupes et de la fréquence. Ici, je ne vais pas te donner une fréquence particulière. Je ne pense pas qu'il y a une fréquence générale pour couper ses pointes. Ça dépend de l'état dans lequel tes cheveux est au moment où tu coupes et ça dépend de tes goûts à toi. Moi, personnellement, je ne coupe pas trop mes pointes. Je peux couper mes pointes même une fois tous les 4 mois. Je ne suis pas de celles qui coupent les pointes tout le temps, je sais pas moi, une fois par mois ou même toutes les 2 semaines. À toi de choisir à quel moment couper tes pointes. Le plus important ici, c'est que tu retiennes que quand tu as des petites fibres de cheveux qui s'éloignent de plus en plus de ta touffe, quand tu vois que tes cheveux ne sont pas très uniformes ou que tes bouts commencent à tomber, coupe légèrement avec une fréquence et tu verras que tes cheveux seront plus sains. Le massage crânien va activer le follicule pileux, va stimuler la circulation sanguine qui va ensuite favoriser la pousse de tes cheveux. Masse régulièrement tes cheveux quand tu fais tes bains d'huile, pendant tes lavages, même quand tu laves pas tes cheveux et que tes cheveux sont au vent, masse régulièrement, ça va aérer les pores et faire en sorte que tes cheveux poussent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à aimer, partager et laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner à cette chaîne et partage la vidéo. Merci et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.